Ah, mais je veux manifester mon appréciation à tous les dirigeants, leaders de l'Église, de par le monde, leaders de la communauté musulmane. Je respecte et je salue votre courage de participer à ce programme, de nous impacter, de recevoir aussi notre impartition. Les leaders politiques qui sont là, leaders de tous les secteurs de la société, nos majestés, et nous apprécions votre participation à ce programme. Nous n'allons plus prendre assez de votre temps. Déjà, nous avons reçu de grandes prestations de chacun, de la chorale, des chorales du monde, nos dirigeants partout. Maintenant, je viens pour vous impartir quelque chose. Je viens vous annoncer que vous êtes vainqueur et vous allez vaincre. Si nous devons avancer, si nous devons être des artisans du changement, nous devons vaincre tous les obstacles qui se présenteront à nous. Et Dieu merci, tu vas vaincre, je vais vaincre, et nous allons tous vaincre au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que tu nous as créés à un moment pareil. Tu a fait de nous citoyens de nos pays. Et tous ceux qui écoutent partout, tu as fait de chacun de nous citoyens de son pays. Nous ne sommes pas ici par accident. Ils ne sont pas là-bas aussi par accident. Tu as un plan, tu as un but et tu as la puissance de nous accompagner pour réaliser ce pourquoi tu nous as créés, fait. Père, je prie que chacun ici ait l'impartition de l'onction et de la puissance pour être vainqueur partout où nous nous trouvons au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Vous pouvez donner meilleur amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Comme je l'ai dit, je voudrais vous parler brièvement du message intitulé Conquérir sa montagne grâce à l'artisan du changement. Conquérir sa montagne grâce à l'artisan du changement. En Romains chapitre 7 dit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37, par celui qui nous a aimés. Quand vous commencez une phrase, généralement, vous ne commencez pas par non. Quelqu'un veut écrire un livre et il écrit le premier chapitre et le premier paragraphe, la première phrase, il met non. Quelque chose avait été dit précédemment. Nous avons un plan, nous avons un but, nous voulons atteindre le sommet, nous voulons aller au sommet de la montagne. Et quelqu'un se présente à nous, et ceci, et cela, et telle autre chose. Est-ce que tu penses que tu peux vaincre et être là où tu dois être avec tous ces défis? Alors, en ce moment, nous disons non, mais non, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur. Et je voudrais vous dire, avec les montagnes qui sont devant nous, avec les montagnes au-dedans de nous, avec les montagnes qui nous attendent, nous disons non à tout argument, nous disons non à tout ce qui va essayer de nous faire battre en retraite et de nous dire que nous ne pouvons pas réussir. Je dis non à Satan. Et toi, je dis non à la maladie.
J'ai dit non à tout pied d'achoppement devant moi, devant toi. Non. Mais dans toutes ces choses, au-dessus de toutes ces choses, au-delà de toutes ces choses, malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui, c'est lui qui nous a aimé, notre Dieu, notre Sauveur. C'est l'agent du changement. Par lui, nous allons vaincre et tu vas vaincre au nom de Jésus. En Matthieu au chapitre 17, je vous lis le verset 20. En Matthieu 17, verset 20, Jésus leur dit, il avait posé une question avant que Jésus ne leur dise, parce que vous savez, il commence la phrase, c'est à cause. On ne peut pas commencer une phrase avec ça parce que c'est à cause. Quelque chose avait été dit précédemment. Quelque chose avait été déjà dit. Ils ont demandé pourquoi, n'avons-nous pas pu le faire? Comprenez le contexte. Je connais le contexte, mais je veux ramener votre esprit à cela. Christ l'avait fait. Eux n'avaient pas pu le faire. Ainsi donc, ils ont dit, quelle est la différence? Pourquoi as-tu le faire et nous n'avons pas pu le faire? Alors il a dit, c'est à cause. Comment se fait-il que nous voyons les changements à l'Occident? Ils n'ont pas été toujours comme ça. Les choses qui arrivent à l'Occident et que nous essayons ici et nous avons échoué. Et nous nous demandons, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Ça, c'est la question que nous devons poser. Et je dois vous dire que les gens de l'Occident qui ont réalisé, qui ont fait ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas arrivés là-bas en une semaine et ils n'ont pas été toujours comme ça. Pour vous donner un exemple. Hilarique, par le passé, je parle des centaines d'années dans le passé, quand quelqu'un avait la tension artérielle, vous savez ce qu'il faisait? Il pensait que la tension artérielle et qu'il tue. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Quelqu'un a suggéré une idée, ils essayaient de diminuer le sang de leur corps, par le passé. Ils pensaient que le sang était trop. C'est pourquoi il a l'hypertension. Ainsi donc, si nous diminuons une partie du sang, alors le reste du corps pourra circuler normalement. Non, ils n'avaient pas réglé le problème. Jusqu'à ce qu'ils se disent, nous devons apporter un changement. Ça ne marche pas. Diminuer le sang ne guérit pas l'hypertension. Alors, ils ont continué à chercher les solutions. Ils arrivent maintenant à suivre de près. Toi-même, tu peux aussi suivre de près depuis ta maison et savoir ce qu'il faut faire. Ta responsabilité, un changement, c'est ce dont nous parlons. Par le passé, quand c'est une montagne, les gens dans ce pays-là, ils essayaient de tracer une route pour contourner la montagne. Et cela, ça donne un grand problème. Un changement est venu maintenant. Les ingénieurs, ils arrivent à creuser un tunnel dans la montagne. La montagne n'est plus leur problème. Ce que je veux vous faire comprendre, nous sommes avec ces montagnes il y a très longtemps. Nous sommes avec ces défis il y a très longtemps. Maintenant, certaines personnes se lèvent et disent, nous pouvons creuser un tunnel au sein de dans la montagne, nous pouvons survoler la montagne et ils profitent de leur désavantage. C'est pourquoi nous posons la question, pourquoi ils le font là-bas? Parfois, il y a une mer très profonde, il y a une mer très large. Et maintenant, construire un pont, c'est même quelque chose. Sur l'océan, c'est grand, mais nous avons maintenant là-bas, à l'Occident, ils ont des tunnels qui
passe sous la mer. Et il passe. Et toutes les facilités sont disponibles. Toute la vue est disponible. Nous posons la question, pourquoi? Comment se fait-il qu'ils arrivent à le faire là-bas et nous n'arrivons pas? Les disciples ont posé la question au Seigneur. Et il a dit, pourquoi n'arrivons-nous pas à le faire? Maintenant, Jésus leur répond. Il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. L'incrédulité dit, c'est impossible. Je ne peux jamais le faire. Je ne peux jamais le réaliser. Et nous transmettons aux autres. Lui aussi ne peut pas le faire. C'est mon voisin. Lui ne peut pas le faire. Il est de ma tribu. L'autre, il ne peut pas le faire. Ah, si moi je ne peux pas, si lui ne peut pas, alors nous ne pouvons pas. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons. Donner un bon amen, non? À cause de votre incrédulité, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Vous avez perdu votre amen. Nous sommes venus à un niveau où quand je vois toute montagne devant moi, elle va partir. Toute montagne devant ta famille, elle va partir. Toute montagne défiant ta santé, elle va partir. Et l'artisan du changement que tu veux être, les montagnes de pauvreté, la montagne d'impossibilité, la montagne... Ah, je ne suis pas bien lettré. Et le problème, la montagne du chômage. Toutes ces montagnes, je veux que tu regardes. Regardez ce qu'on peut voir. Toutes ces montagnes sont déplacées de ta vie au nom de Jésus. Il y a trois points à considérer. Et il dit, et rien ne vous serait impossible. Amen pour moi. Rien ne me serait impossible. Rien ne me serait impossible. Amen. Le ciel affirme ta confession. Il y a trois points à considérer. Premièrement, nous voyons déplacer la montagne par la foi. Déplacer la montagne par la foi. Deuxièmement, profiter des montagnes sans crainte. Tirer avantage. Quand une montagne est devant la personne, la première chose, c'est la crainte. C'est qu'il tremble. La première chose, c'est qu'il commence. Il y a un soliloque. Oh, je pourrais aller là-bas, mais je ne peux pas. J'aurais pu faire ceci, mais je ne peux pas. Oh, j'aurais pu réaliser ceci, hein, mais vous savez, je ne peux pas. Hein, pourquoi? Regardez les montagnes, non? Ah, si visible, si élevée, si grande, si large. Et elle est là depuis longtemps. Elle était là au moment de nos grands, nos aïeux. Et au moment de nos aïeux. Et maintenant, en montant maintenant, et je devine que je dois transmettre ça à la génération future. Et à cause de cette montagne, nous pensons que nous ne pouvons pas. Nous allons tirer avantage, profiter de toute adversité de nos vies. À tirer avantage de tous les avantages dans nos vies. Vous savez, parfois, le désavantage, c'est que je suis noir. Et parce que je suis noir, je vois ça comme une montagne. La couleur de ma peau est une limitation pour ma destination. Nous allons annuler ça maintenant. Et parfois aussi, les autres pays, permettez-moi de le dire, parce que j'ai le passeport vert. Et c'est le passeport de mon pays. Et partout je vais. Une fois qu'ils voient ce passeport vert, les limitations viennent. Nous allons briser ces barrières. Troisièmement, c'est prendre l'envol au-dessus de vos montagnes.
Premièrement, déplacer ça. Deuxièmement, profiter, tirer avantage des montagnes. Troisièmement, c'est prendre l'envol au-dessus de vos montagnes. Premier point maintenant. Premier point, déplacer la montagne par la foi. Jésus a dit dans le verset 20, « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. » Qu'est-ce que vous dites, montagne? Dépose-toi de là. Le changement commence dans notre langage. Le changement commence avec nos proclamations. Le changement commence par nos paroles. Montagne, tu vas te déplacer. Par le passé, on disait, montagne, oh tu es là, oh moi je m'en vais, je m'éloigne de mes objectifs, je m'éloigne de mes décisions, je m'éloigne de toute la vision que j'ai. Pourquoi? Parce que la montagne est là. Maintenant, un artisan du changement va changer son langage. Au lieu de dire, je me déplace, qu'est-ce qui va bouger aujourd'hui? Je dis, qu'est-ce qui va bouger aujourd'hui? Premièrement, par le changement de ton langage. Ensuite, par le changement de ton cœur. Tu dois avoir le cœur de foi. Tu crois qu'il y a un Dieu au ciel qui veut que tu ailles au-delà de la montagne. Et parce qu'il veut que tu ailles au-delà de la montagne, tu as cette foi en ce Dieu que tu vas déplacer la montagne qui est devant toi. Et tu dis, à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Quand je parle de montagne, jeûne, vous allez penser que je parle d'une montagne qui est là où maintenant? Kilimandjaro, montagne Kilimandjaro, Mont Everest. Et le prédicateur a dit d'aller là-bas, va déplacer cette montagne. Bon, cette montagne, Kilimandjaro, elle ne te dérange pas. Elle n'est pas un problème pour toi. Tu n'as même pas besoin d'aller jusque là-bas. Pourquoi perdre ce temps? Mon Everest, ah, ça ne te dérange pas. Ça n'est pas ton chemin. Tu peux voyager librement dans ton pays sans cette montagne, sans être confronté à cette montagne. C'est la montagne qui est devant toi. Laisse-moi t'expliquer ça. Quand Moïse est venu et il a dit, un changement va se produire. Ces esclaves comme nation, ils deviendront la nation supérieure au-dessus de là où ils étaient esclaves. Une montagne était devant lui et c'était Pharaon. Il a vaincu cette montagne. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je parle de Shadrach, Meshach et Abednego. La montagne qui était devant eux n'était pas le mont Everest et ce n'était même pas la maladie, c'était un Nebuchadnezzar. Il avait une conviction. Voici la main dont nous allons adorer. Nous allons avoir la liberté d'adoration, même en Babylone. Mais il y avait une montagne devant eux et cette montagne n'était Nebuchadnezzar. Et elle a dit, ne perdez pas votre vie. Vous ne pouvez pas le faire ici. Ici, c'est Babylone. Et c'est moi, le dirigeant du Babylone. Si tu ne fléchis pas, si tu ne te prosternes pas, tu vas brûler. Ça, c'était la montagne devant eux. Ils ont vaincu. Tu vas vaincre. Alors, Jésus est venu. Il est venu et il voulait que la bonne nouvelle soit répandue dans le monde entier. Et la montagne là n'était pas le Kilimandjaro, c'était pas Everest, c'était les pharisiens, les sadducéens. Et ils ont dit, tu ne le feras pas ici, tu ne vas pas changer, tu ne changeras rien ici. Et il était là pour changer le monde. Et il a dit, il n'allait même pas changer la localité où il était. Alors les pharisiens étaient la montagne en son temps. Alors voici Paul est venu. Et Paul est venu et il a commencé à annoncer qu'il y a un seul chemin. Et voici c'est Jésus le Seigneur et le Sauveur. La montagne n'était plus Everest. C'était les gens traditionnels rigides qui ont dit, nous allons t'attraper, nous allons le détruire. Mais il a pu avancer, toi tu vas avancer. Quelle est la montagne devant toi?
Est-ce que c'est la montagne d'idéologie? Est-ce que c'est la montagne de tradition? Est-ce que c'est la montagne d'impossibilité? Et te voici. Tu es là en tant qu'artisan du changement. Et tu dis, cette chose qui est là-bas, elle sera changée. Cette chose de l'autre côté sera changée. Et les gens t'appellent et t'avertissent pour dire, nous sommes dans, sur cette route il y a des siècles, depuis des millénaires. Et maintenant, toi, tu viens, petite fille. Et ne regarde même pas ton âge de 17 ans. Ces gens là-bas, ils te voient comme une petite fille. Ils connaissent ta famille, ça, même quand tu es né. Et ils savent, ils connaissent les limitations dans lesquelles tu étais toujours. Ils disent, petite fille, qu'est-ce que tu essaies de faire? Toutes ces montagnes-là vont se déplacer devant toi au nom de Jésus. Voyons le verset 21. Verset 21. Mais Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière. Dites-moi haute voix, et par le jeûne. Maintenant, le jeûne, normalement, c'est se passer de la nourriture pendant une période de temps. Et Jésus a dit, ce type de maladie, ce type de difficulté, ce type de démarcation, ce type de montagne, ce type d'impossibilité, ce type de défi ne sort que par la prière et par le jeûne. Nous connaissons la prière, ça veut dire que parler à Dieu. Cela veut dire, dit Dieu, voici mon défi. Tu es le Dieu de tout pouvoir, de toute création. Et tu peux ôter, déplacer ma montagne, ma difficulté. Mais il dit, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Est-ce que je peux vous aider? La foi sans nourriture. Tu te prives de nourriture pendant un moment. Pourquoi? Parce que pour déplacer cette montagne, c'est plus important pour moi que tous les morceaux que je vais prendre. Alors, je viens. Et pourquoi est-ce que je jeûne? Parce que je crois qu'un changement va venir. Tu ne vas pas perdre ton temps, perdre ta vie si tu n'as pas la foi. Déjà, il a dit, tu dois avoir un grain de sénévé comme foi. Et tu viens avec cette foi pendant une période sans nourriture. Ensuite, l'abstinence. L'abstinence, ça veut dire que tu te retires de l'odeur, du regard et du souvenir du goût de la nourriture. Tu dis, pourquoi? Parce que je cherche quelque chose de plus grand que la nourriture, que tous les plaisirs, que tout ce que je peux avoir. Par conséquent, je viens avec la prière et le jeûne. Ensuite, c'est la soumission. Quand tu jeûnes, tu dois toujours dire que ta volonté soit faite. Nous ne pouvons pas aller à Dieu et dire, Dieu, ah, dépêche-toi, hein, déplace-moi cette montagne. Non, si c'est ta volonté, si la montagne est là pour un objectif, si la montagne est là pour me fortifier, si la montagne est là pour fortifier ma colonne vertébrale, si la montagne est là afin que je sache que j'ai un Dieu plus grand qu'une montagne, alors Dieu, je me soumets. Il y a des gens qui disent qu'ils prient et qui jeûnent et qui ne mettent pas la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le rendez-vous de Dieu ne prend pas ça en considération. Mais ceux-là qui, en réalité, prient et jeûnent de la bonne manière, ce sont ceux-là qui disent, oui, je jeûne, pas la foi, mais sans la nourriture. Je jeûne avec abstinence. Et l'abstinence, ce n'est plus maintenant
seulement la nourriture. L'abstinence est pour toute autre chose. Vous savez, je veux avoir ceci, je veux le plaisir. Ah, je veux faire ceci, je veux ce qui me plaît. Non, nous nous abstenons de tout cela. Et en ce moment, là, pour une période, et nous sommes soumis à la volonté totale de Dieu. Parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Tel que vous pensez à la montagne, ce n'est pas de la même manière que je pense à la montagne. Alors, recevez ma volonté, recevez mes pensées, recevez ma compréhension, recevez mon but et comprenez pourquoi ce qui se passe, pourquoi ce qui arrive, arrive par la prière et le jeûne. Ensuite, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont faim, ils sont en colère. Il y a des gens, quand ils ont une satisfaction retardée, ils sont en colère. Ils disent, un homme affamé n'a point d'oreille. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, ton tempérament doit être contrôlé. Tu es tempéré. Tu as la maîtrise de soi. Tu es le seul qui sait que je jeûne. Et tu jeûnes à cause de cela. Personne ne t'a envoyé pour jeûner. Tu ne vas maintenant pas imposer ça. Quelque chose, tu as tel fait chose, ça t'irrite. L'autre fait ceci, tu es complètement enflammé. Si tu jeûnes, un vrai jeûne doit affecter ton tempérament, va affecter ta tempérance. Ensuite, tu jeûnes sans iniquité. Si j'avais caché, si je conçois l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Si tu jeûnes et tu fumes, si tu jeûnes, et tu t'enivres, tu jeûnes, tu bats ta femme, tu jeûnes, et tu es fait, tu pratiques la méchanceté, ce jeûne ne marchera pas. Il faut donc que ce soit sans iniquité, sans toute forme d'iniquité. Ensuite, quand tu jeûnes et prie, rappelle-toi, il a dit, tout ce que tu demanderas en mon nom, tu ne vas pas devant le Seigneur en disant, Dieu, réveille-toi, hein? Laisse toute ton administration du monde, attention à ce que je veux dire, voici mon nom, je m'appelle telle personne. Ce nom ne marchera pas, n'obtiendra rien du tout. Et c'est quand tu viens, et comme tu dis, je viens, je prie, je jeûne, je me dévoue, et je plaide pour ceci dans au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Ensuite, tu jeûnes pour sa gloire. Tu jeûnes pour sa gloire. Tout ce que je demande au Seigneur, qui n'est pas ta gloire, annule cela. Moi, un homme insensé, pensant que je dois avoir ceci. Et si tu sais que ça ne va pas t'apporter la gloire au Seigneur, éloigne ça de la liste de ce que je demande. Et ce sont ces gens-là qui viennent, qui se tiennent et qui disent, oh Seigneur, je veux ceci, je veux ça tellement, plus que la nourriture, j'ai la foi sans la nourriture, je veux ça tellement, je suis disposé à m'abstenir de toute chose qui ne va pas me faire avancer, l'abstinence. Ensuite, je viens en soumission. Dans la soumission au Seigneur, je viens avec la tempérance, la maîtrise de soi. Je viens sans iniquité et je viens dans le nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Et je viens avec la piété pour la gloire. Ça, c'est comme ça nous prions et nous jeûnons. Et il y a une assurance que si tu jeûnes de la bonne manière et si tu demandes de la bonne manière, tu obtiendras ce que tu demandes. Amen. La montagne sera déplacée devant toi au nom de Jésus. Ça, c'est le premier point. Déplacer la montagne par la... Dites-moi par quoi? Dites-moi à haute voix. Nous avons assez de foi dans la maison ici, ce matin, qui peut déplacer ta montagne de ta vie au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Tirer avantage des montagnes sans crainte.
profiter des montagnes, tirer avantage des montagnes sans crainte. Les gens, à cause de Matthieu chapitre 17, ils se concentrent sur cela et ils disent, montagne, bouge, déplace-toi, montagne, déplace-toi, bouge, bouge, bouge. Et ils pensent que c'est le seul moyen que nous pouvons traiter les montagnes. Ce que j'ai fait, c'est qu'il l'a fait avant et je vais le faire encore. J'ai vérifié les montagnes depuis l'Ancien Testament, les montagnes dans le Nouveau Testament, montagnes partout. Et j'ai découvert que nous pouvons, au lieu de pleurer, au lieu de tourner autour de la montagne, en regardant la montagne, oh, en tournant autour, oh, je suis malheureux dans la vie, hein. Je suis né dans telle famille, hein. Et la famille a tous ses mal, ses catalogues de montagnes, défis, problèmes. Je pleure et je tourne en rond autour des montagnes. Je tourne en rond, je tourne en rond. Où est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter dans la vie? Maintenant, j'ai découvert maintenant. Je n'ai pas besoin de pleurer ou tourner autour de la montagne. Je peux tirer avantage de toute montagne dans la vie. Et toi aussi, tu peux. J'ai dit, toi aussi, tu le feras. Vous savez, il faut changer ton état d'esprit. Parce que je sais, ton état d'esprit, comme mon état d'esprit par le passé, c'est que la seule chose que je fais de montagne, des montagnes, c'est que je commande. Déplace-toi! Ça n'a pas bougé. Déplace-toi et ça n'a pas bougé. Je dis, déplace-toi et c'est toujours là. Et je continue à commander tout le temps. Mais maintenant, nous avons un état d'esprit changé. Est-ce que tu es là-bas? J'ai dit, il y a un état d'esprit changé. En réalité maintenant, les montagnes restent même là-bas. Je vais te montrer quelque chose. Tu verras que je vais progresser. Au lieu que tu ne sois, malgré que tu sois là, je vais aller au-delà de toutes ces montagnes, la position de cette montagne, la pression de cette montagne. Parce que je vais tirer avantage de ces montagnes et tu le feras au nom de Jésus. Ce qui nous a empêchés par le passé, c'est la crainte. Vous voyez cette chose-là, la crainte. J'entends que quelqu'un est mort du cancer et j'examine comment est-ce qu'il est tombé, ce qu'ils ont vu et comment c'est arrivé et comment c'est arrivé à l'étape 4. Et si je sens la même chose que lui, ça c'est une montagne. La crainte entre et cette crainte te paralyse, paralyse ton cerveau, ton esprit, paralyse ta vue. Tu ne peux même plus bien, tu ne peux même pas chercher d'alternative. J'entends dire, j'entends parler de quelqu'un qui a été maudit par quelqu'un d'autre. Et maintenant, nous avons les mêmes expériences et quelqu'un, comme telle autre personne, a placé une malédiction sur toi et sur ta famille. Et ce qui s'installe, ce n'est pas comment est-ce que je peux vaincre ça. Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme, à cette femme, pour qu'elle me maudisse, pour qu'il me maudisse. Et je ne me rappelle pas, et je me rappelle même pas que la malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Pour toi, une malédiction sans cause, dites-moi, la suite n'aura pas d'effet. Et tu sais, ce qui donne la puissance à la malédiction, c'est la foi. Ce qui donne. Qu'est-ce qui donne la puissance aux promesses de Dieu? C'est la foi. Regardez toutes les promesses que Dieu m'a données. Si je n'avais pas manifesté la foi pour l'activation, toutes ces promesses-là, quelqu'un envoie une malédiction et la foi que je dois placer aux promesses de Dieu, je place cette foi dans les malédictions. C'est la foi qui active toute possibilité de cette malédiction. Je ne crois pas qu'une malédiction sur toi va marcher. Elle ne marchera pas. Regardez Jésus.
Regardez l'homme qui place la malédiction. Et Jésus dit, mon Père Dieu t'a béni. Et l'homme de malédiction dit, que lui, son maître Satan, te trouble. Tu as entendu les deux. Lequel veux-tu croire? Est-ce que c'est celui que tu crois qui va agir pour toi? Amen, amen. Ainsi donc, nous comprenons, quelle que soit la montagne qui est là, nous sommes vainqueurs. Je suis un vainqueur. Regardez Zacharie au chapitre 4. Je vous lis ici le verset 6, Zacharie, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 6. La Bible dit, « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais... c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donnez-moi un amen avant que je n'explique. Satan et le Saint-Esprit, lequel est plus grand? L'homme. L'homme. Pas aussi élancé que toi. Méchant. Mais qui n'a même pas d'autorité sur toi. Cet homme. Avec sa malédiction, avec sa montagne, avec son mur de séparation devant toi, cet homme et le Saint-Esprit qui est plus grand, le Saint-Esprit bien sûr, il va combattre pour toi. Quand on était plus jeune, j'étais au primaire à l'époque, vous voyez ce garçon qui terrorisait, il me terrorise. Et il était sur le point de se battre et me fait tout rouler par terre. Je regarde à gauche, à droite et je voyais mon grand frère. Il est plus gros, grand. Et comme je le regarde, il me fait signe. Et je dis à celui qui me terrorise, j'ai dit d'accord, viens. Et comme il vient, je me retire, je laisse mon grand frère le gérer. Maintenant, le Saint-Esprit va gérer le cas. Ta maladie, le Saint-Esprit va gérer ça pour toi. Toute ta pauvreté et tout ce qui te concerne et toutes les choses qui menaçaient ta vie, le Saint-Esprit est venu. Il va tout éparpiller de ta vie. Rassure-toi seulement que le Saint-Esprit est toujours présent. Il dit, dans le verset 7, il dit, verset 7, qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Devant, mentionne ton nom là-bas. Qui es-tu? Grande montagne. Devant, mentionne ton nom devant. Il dit, tu seras aplani. Le Seigneur va se débarrasser de ces montagnes. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Si la grâce de Dieu est dans ta vie, ces montagnes sont parties. Et quel que soit ce que tu craignais jusqu'à ce jour, toutes ces montagnes vont fondre, seront aplanies de ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant, troisième point, prendre l'envol au-dessus de tes montagnes. Ça veut dire quoi? Regarde un peu en arrière, quelques décennies passées. Lorsque nos grands-grands arrière-parents voulaient voyager, ils étaient limités par le grand océan. Ils ne pouvaient pas traverser l'océan. Ainsi donc,
Ils étaient limités dans leur localité là où ils étaient. Ensuite, certaines personnes cherchant le changement ont apporté le changement sur cet océan, cette rivière, sur l'océan maintenant. Ils ont bâti des ponts. Et pour la première fois, nos aïeux pouvaient maintenant sortir de leur localité parce que la mer était toujours là, la rivière était toujours là. Mais certains artisans du changement étaient venus et ont étalé un pont dessus. Ensuite, quelques années, plus qu'un siècle maintenant, environ, en 1903 environ, les frères Bright sont venus et l'avion est venu. Pour qu'avec l'avion maintenant, tu veux quitter ici pour aller là-bas. Et il y a beaucoup de montagnes qui sont sur la voie. Tu prends l'envol, le vol au-dessus de tes montagnes. Vous voyez le problème que nous avons pendant que l'avion est là. Parce que nous sommes habitués à penser à la montagne, la montagne, la montagne. On peut prendre le vol et survoler nos montagnes. Et ce que les montagnes, quelles que soient les montagnes philosophiques, quelles que soient les montagnes, maladies, infirmités, quel que soit le nom, maintenant tu peux prendre l'envol. Et maintenant tu peux prendre le vol. Et tu penses aux choses qui ont tué des gens. Environ 50, 60, 70 ans passés. Même à l'Occident qui est venu nous coloniser. Tel est mort du palu. L'autre aussi est mort de la pollution. L'autre aussi est mort de ceci et de cela. Toutes ces choses maintenant, nous avons vaincu les montagnes de moustiques. Tu n'as pas compris cela. Si tu comprends, dis Amen. Si le palu tue quelqu'un maintenant, comment est-ce que le palu peut tuer ce monsieur-là? Il n'a pas regardé les choses disponibles. Nous pouvons survoler ces montagnes de moustiques maintenant. Il y a des choses qui nous retenaient liés. Il y a des choses qui nous empêchaient. Et on n'arrivait pas à avancer, à quitter ces choses. Maintenant, ces choses, nous allons survoler ces choses. Je vais survoler ces choses. Troisièmement, donc, c'est prendre l'envol au-dessus de tes montagnes. Voyons Ésaïe au chapitre 40, verset 28. Ésaïe au chapitre 40, verset 28. Voici ce qu'il nous dit. Ne le sais-tu pas? Ça, c'est le problème. Nous savons, mais nous n'appliquons pas. Nous savons, mais ne considérons pas. Nous savons. Mais nous ne personnalisons pas. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Vous comprenez? Il comprend toutes les montagnes qu'il peut tenir devant toi. Et il sait comment les déplacer? Et il va les déplacer de ta vie. Verset 29. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Vous savez, certaines personnes disent, je lis la Bible. Je dis, c'est bien ça. Et combien de chapitres as-tu lu aujourd'hui? Et vas-tu lire? Je vais lire plus. Mais j'ai lu 10 chapitres. Je comprends, mais combien de versets de ces chapitres ont été placés dans ton cœur, sur lesquels tu marches et tu planifies de rendre ça personnel? Et dit, pasteur, je ne me souviens d'aucun. Vous voyez, ce n'est pas le nombre de chapitres que tu lis, c'est ce que tu fais du peu
que tu reçois pour te sortir de là où tu es. Et maintenant, pour que tu prennes l'envol, il donne la force à celui qui est fatigué. Tu es fatigué depuis 2 ans, découragé et pratiquement mourant. Tu lis la Bible et tu ne trouves pas ce passage. Il donne la force à celui qui est fatigué. Maintenant, tu es venu au dernier arrêt-bus. Il te donne la force. Tu ne vas plus être fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est ce à quoi tu dois t'attacher. Et tu dois dire, je sais qu'il est le Dieu qui me donne la force, la vision au-dessus de toutes mes montagnes. Verset 30. Verset 30 dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les adolescents se fatiguent. Nous pensons que la force naturelle des jeunes fera pour eux plus que la force spirituelle venant de l'ancien des jours. Et parce que maintenant j'ai franchi 40 ans, 45 ans, parce que maintenant tu as 50 ans maintenant, et tu regardes les jeunes avec la force naturelle, ayant la force naturelle, tu te dis, oh, j'aurais souhaité être plus jeune, hein? Oh, j'aurais souhaité avoir 20 ans, même à 55 ans, 57 ans, 61 ans, si tu as l'énergie d'en haut, la force d'en haut, l'onction d'en haut, tu seras plus fort que ce que les jeunes qui ont la force naturelle. Parce que les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens, les jeunes hommes chancellent. Mais, verset 31, je vous amène jusqu'à ce point-là et je veux que vous compreniez, mais que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, ça veut dire quoi? Vous comprenez? Vous tenez à l'arrêt bus, le bus n'est pas encore arrivé. Et vous n'êtes pas anxieux, vous attendez là. Vous savez que ce bus va arriver. Mon bus qui va me sortir de ce lieu et qui m'amènera à la destination désirée, vient. J'ai dit ce bus vient. Je regarde à droite, je ne vois aucun signe. Je regarde à gauche, je ne vois aucun signe. Je ne quitte pas là. J'attends. Mon bus vient. Le porteur vient. Pourquoi ne pas le faire avec le Seigneur? Comme une montagne. Tu ne peux pas déplacer la montagne. Mais tu sais que le Dieu du ciel et de la terre, il t'a promis qu'il donnera la force à ceux qui manque de force. Et tu attends là. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes partout. Mais tu ne vois pas de signe. Mais tu attends. L'artisan du changement vient. Et il va t'atteindre là-bas. Reste là simplement. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Prennent l'envol. Maintenant, pense à un aigle. Un aigle veut traverser ici. Et il voit plusieurs personnes, une foule. Et il voit des militaires, des policiers partout, rassemblés partout. Et là, l'aigle regarde. Et s'il essaie de venir à ce niveau-là et traverser, il peut être mort avant d'atteindre l'autre bord. Mais l'aigle dit, il n'y a pas de problème. Toute cette foule-là, je vais la traverser.
La sécurité, qui, je vais les traverser aussi. La foule là-bas, je vais la traverser. Ceux qui vont vouloir peut-être ôter mes plumes. Ils sont aussi là. Ils ne me toucheront pas. Et cet aigle traverse. C'est ce que la prière fait. C'est ce que ce confiant l'Éternel fait pour nous. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Toi, tu vas courir et tu ne te lasseras pas. Si tu cours, pourquoi tu cours? Tu as une destination que tu veux atteindre dans ta force. Au milieu de cette course, tu es fatigué, tu es épuisé. Et en tant qu'artisan du changement, tu as la destination en vue. Voici, ce sera fait de mon vivant. Au beau milieu de la course, tu es épuisé, tu es fatigué, tu es découragé. Tu es sur le point d'abandonner. Mais tu te confies en l'Éternel. Et le Seigneur va renouveler ta force. Et le Seigneur va te donner la force, quel que soit ton rêve. Tu rêves des choses spirituelles, des choses matérielles, des choses naturelles. Et tu es fatigué, tu te dis, est-ce que je peux réussir? Je réponds, tu vas réussir. Parce que tu te confies en l'Éternel, il renouvelle ta force. Alors tu prennes le vol comme les aigles et tu cours et tu ne te lasses point. Il marche et ne se fatigue point. Il marche et ne se fatigue point. Maintenant, nous avons la solution ici ce matin pour ne pas se fatiguer, pour ne pas être lassé, pour ne pas abandonner, courir et marcher jusqu'à ce que nous parvenons à la fin de la course. Mais combien se rappellent? Ils sont allés chez le docteur et il vous a donné les médicaments. Utilise ceci le matin, prends ceci l'après-midi. Et utilise ceci le soir. Et dans cette période de temps, tout a été balayé. Et combien ont l'expérience? Vous avez tué le premier jour, deuxième jour, le troisième jour, vous abandonnez les médicaments. Quatrième jour, vous abandonnez les médicaments. Et une semaine, vous abandonnez les médicaments. Et finalement, vous retournez à la case de départ. Vous appelez le docteur encore. Oh, docteur, docteur, docteur. J'ai telle situation maintenant. Et le docteur te demande, est-ce que tu as utilisé les médicaments que je t'ai prescrits? Tel que je l'ai dit, selon l'ordonnance, docteur, je suis désolé, je n'ai pas fait. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui, ce que tu fais de ta montagne, par la foi, sans crainte, par le vol, tu iras, tu vas l'appliquer au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Levons-nous maintenant pour le temps que nous avons. Invoque le nom du Seigneur. Parle à Dieu. Il est capable. Capable. Capable de faire avancer cette montagne, comme tu crois. Quelle que soit la montagne, quels que soient les défis qui s'interposent devant toi, par la foi, tu peux déplacer cette montagne. Ou tu tires avantage, tire avantage de cette montagne, sans crainte. Ou tu va au-delà de cette montagne. Le Seigneur te donnera la force, la puissance et la force. Les montagnes ne vont pas vous arrêter. Lève la main. Père,
au nom de Jésus. Par la foi, je commande à toutes les montagnes devant ton peuple, soyez déplacés au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chacun qui avait des retards totalement en bas à cause des montagnes de défis et de difficultés. Donne-leur la sagesse, la perception pour traverser, creuser des tunnels et passer dans ces montagnes pour aller au-delà au nom de Jésus. Et pour ceux qui sont ici et là, qui sont désemparés et les montagnes sont toujours là, je prie la puissance contre la montagne, la force pour courir, pour qu'ils ne soient pas fatigués, pour qu'ils ne tombent pas. Donne-leur la puissance pour prendre l'envol, surmonter leur montagne, donne-leur cela au nom de Jésus. Tout défi, toute maladie, toute impossibilité, par la foi, je dis déplacez-vous, déplacez-vous, déplacez-vous. Toute limitation dans nos vies soit déplacée au nom de Jésus. Seigneur, rien ne pourra arrêter cette grande armée qui avance pour la destination désirée au nom de Jésus. Tout chaque jour, vous aurez la provision. Chaque jour, vous allez posséder la puissance. Chaque jour, cette énergie de l'esprit qui nous fait avancer, nous fait avancer, nous fait avancer, soit présente, prééminente dans votre vie au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur. C'est fait! Dans la vie de qui? C'est fait! Dans la maison de qui? C'est fait! Va au-delà de chaque montagne de ta vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.